avons atteint la maturité politique. Nous sommes prêts maintenant pour la libération économique. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Les deux seules options compatibles avec la survie et le rayonnement de la nation canadienne-française étaient l'égalité juridique et pratique des deux communautés culturelles à la grandeur du Canada ou l'indépendance du Québec. Vive le Québec! Vive le Québec libre! J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Le pays est entre vos mains. C'est vous qui allez le réaliser. Vous allez faire la différence. La nouvelle économie est fondée sur la connaissance, l'innovation, l'imagination et l'originalité. Ça va se passer de façon responsable, rigoureuse. Ça va se passer calmement, avec assurance. Parce qu'un peuple, ça se comporte avec assurance. Ça va faire changement pour les Québécois de faire partie d'un peuple qui a de l'assurance. D'un peuple d'abord et d'un peuple assuré de son bon droit, de sa légitimité politique, de l'autorité que lui confère le fait qu'il aura décidé en toute connaissance de cause, dans la clarté du jour, après un long débat démocratique,
après avoir longtemps cherché sa voie, après avoir cherché toutes les autres solutions, de conclure qu'enfin, il a atteint sa maturité politique. Ça va être une belle journée, ça. Voici venu le temps de choisir, de se donner un pays pour l'avenir. Voici venu le temps de bâtir avec les gens d'ici et les gens d'ailleurs. Voici venu le temps. Choisir ensemble, bâtir ensemble, un pays pour moi. Un pays pour moi. Ensemble, de faire ensemble un pays pour le monde.